Des derniers jours, vous avez enflammé les réseaux sociaux avec un tweet notamment où vous objectez à la vaccination obligatoire et même vous avouez que s'il y a un vaccin contre le coronavirus, ça ne vous intéresse pas, vous, personnellement. Il n'est pas question que... Non, absolument pas. On va pas m'inoculer quelque chose. On parle de l'ennemi invisible, puis on va inoculer un produit dont on sait rien des effets secondaires. Je trouve assez étrange, on va dire, la pensée qu'en ce moment, il faut écouter les experts, puis on a des experts qui nous donnent des solutions à faible coût, comme par exemple le docteur Raoul, le professeur Raoul, oui, qui nous propose une molécule qui coûte pratiquement rien, qui pourrait régler bien... Non, moi, je veux dire, ma santé est super, super importante pour moi. Tout le monde qui s'objecte au discours de la santé publique actuellement est perçu, oui, comme quelqu'un qui voit des complots, qui croit des thèses farfelues, qui... Mais c'est pour ça que je trouve qu'en ce moment, l'ennemi invisible, c'est la dissimulation de l'information. Toute personne saine devrait être capable d'avoir un regard critique sur ce que nos dirigeants nous disent, sur ce qu'ils nous proposent comme solution. Oui. Personne n'est à l'abri d'influence, de trafic d'influence. Voyons donc, on est une province super où il y a de la corruption, galopante. Il faut à un moment donné savoir que les sommités sont aussi parfois influencées par les labos qui produisent des molécules. Ouais. Hey, moi, je vais vous dire, la pub du gouvernement du Québec en ce moment, là, oui, sais-tu qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit... Je joue aux jeux vidéo. J'ai entendu ça hier, OK? Je joue aux jeux vidéo. Je me lave les mains. Je sauve des vies. Je sauve des vies. Oui, excusez-moi, ça, là. Mon père, il a vécu l'occupation en France. Mes ongles, ils sont battus pour les Américains à la guerre de Corée. J'essaie de comprendre. On a défriché des terres. À cette heure, on sauve des vies en jouant aux jeux vidéo. Vous rendez-vous compte, les gars, justement les gars de Québec, là, parce qu'on a besoin de testostérone. La révolution va pas se faire sur le plateau, je suis d'accord avec vous. À un moment donné, là, vous êtes en train de vous faire émasculer. Puis moi, je trouve qu'on a besoin de gens qui se lèvent debout, puis qui demandent des comptes, et qui exigent des comptes. C'est des personnes qui sont en place. Les sommités sont des gens qui sont avides de pouvoir, qui ne se posent pas plus de questions. Et moi, je dis aux gens, reprenez souveraineté sur votre pensée et sur votre esprit critique. En même temps, pourquoi les gens veulent absolument obliger le vaccin? Moi, c'est là que j'ai de la misère, parce que le vaccin, à la limite, là, si moi, je me fais vacciner, ben je suis protégé contre le virus, techniquement. Donc, le fait que quelqu'un se fasse pas vacciner, c'est son problème, c'est lui qui va s'infecter, c'est pas moi. Moi, je veux dire, quand on nous suggère de dénoncer des gens dans des parcs, moi, on me dit que je vais avoir du sang sur les mains, je suis désolée, c'est pas moi qui exploite les travailleurs qui s'occupent des vieillards dans la cité. Mais il faut se poser la question sur comment est-ce qu'on a laissé les gens qui nous ont mis au monde, quel genre de société? Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, oui, mais elle n'est pas une scientifique, c'est pas une microbiologiste, c'est ben pas alors, une infectiologue? Ben, le docteur Tadros de l'OMS, c'est pas un scientifique. C'est un médecin qui ne travaille pas en médecine, si je ne m'abuse. Corrigez-moi. Non, vous avez raison. Mais... se poser des questions. Qui finance les chaires de recherche? Quand les gens disent, il n'y a même pas de recherche sur les vaccins, sur les effets secondaires des vaccins, ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été prouvé parce que c'est les compagnies pharmaceutiques qui payent les recherches. Pensez-vous sincèrement qu'ils vont investir des millions pour qu'on prouve que leur molécule est toxique? Ultimement, notre corps nous appartient. Moi, c'est là, oui, que je vais aller, parce que moi, là, je m'excuse, mais le gouvernement n'a pas d'affaire à me dire quoi manger, quoi fumer, quoi... Tu sais, on est dans une société où on dit justement, on est le pote, le gars, on vient de le légaliser parce que c'est pas au gouvernement de nous dire si oui ou non on va en prendre. C'est à nous autres, en tant qu'individus, de choisir et de décider.
Je pense beaucoup que c'est quand même pour nous anesthésier un petit peu, sérieusement. ça se peut. Non, honnêtement, mais dans le sens là, de... où est-ce qu'elle est, la testo, puis la révolte, le let's go, là, c'est sûr que le monde sur le pote... Moi, j'aimerais mieux que ça soit pas le gouvernement qui le vende, là, mais en même temps, exactement. Je pense que les individus ont le droit de choisir quoi manger, quoi boire, ben, tout à fait, quoi consommer. Puis quoi, ouais. se faire injecter ou non dans le sang. Puis ce bout-là, je partage ça avec vous. Je suis d'accord que le vaccin, là, c'est à chaque individu à décider. C'est pas au gouvernement à nous mettre en ligne comme des moutons puis à nous obliger à nous piquer puis à nous rentrer de quoi dans le corps, là. Ah non, mais ça, c'est carrément notre intégrité physique qui est mise en danger, là. Il n'en est pas question. Mon message, il est dit n'importe comment, justement. Il faut que ça soit dit n'importe comment parce qu'il faut avoir l'audace de le dire avec les mots qu'on possède, avec notre pensée. La vérité, c'est l'important, c'est l'authenticité. Puis là, on se fait berner. On se fait berner par du monde qui ont une belle image, qui ont un beau studio, mais qui dissimulent l'information parce qu'ils nous prennent pour des caves. Moi, je vais le dire, c'est ça que je pense. Il y a quelque chose que je trouve bizarre parce que d'un côté, on dit faut écouter la science, puis de l'autre côté, quelqu'un qui apporte une antithèse, on lui dit faites la terre. Mais pour moi, la science, c'est toujours d'avoir des doutes puis de tester des opinions convergentes ou divergentes. Et pour moi, ce que vous faites, c'est scientifique. Je suis pas contre les vaccins en général. Il y a eu des vaccins qui ont fait leur poste. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est le même que le tien. Personne n'a le droit. Le gouvernement n'a pas autorité sur ma personne. Ça, c'est la liberté fondamentale. Il y a des gens aussi qui disent, ouais, mais là, si Lucie Laurier veut pas se faire vacciner, ben si jamais elle tombe malade, ben elle payera ses soins de santé. Vous répondez quoi? Ben avec plaisir. Ben oui, pas de problème. Faire réfléchir peut-être, hein? Ben, écoute, moi, j'ai confiance. Moi, je prends pas les gens pour des caves. Ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Merci Lucie beaucoup, Laurier, en ta générosité et ton écoute. C'est très agréable d'avoir une opinion divergente, puis ça fait réfléchir. En tout cas, ça va peut-être convaincre des gens, mais ça va surtout, j'espère, en faire réfléchir plusieurs. Lucie Laurier, comédienne actrice, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. La 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 la